Et yo tout le monde, c'est UnderXL. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle série. Donc on se retrouve sur Osiris New Dawn. Donc c'est un jeu de survie un peu dans l'espace. Enfin un peu beaucoup même dans l'espace. L'histoire donc c'est un astronaute qui s'est crashé sur une planète. Et forcément bah, il doit survivre sur cette planète. Hop. D'après ce que j'ai compris, bah, il y a... Enfin c'est de la survie dans l'espace. Pour l'instant, bah, le jeu est disponible qu'en QWERTY, donc ça c'est pas encore trop le souci. On peut jouer solo ou à plusieurs. Bon, moi forcément, je vais jouer solo. Ça, on va le supprimer. C'était mon premier personnage que j'avais créé. Donc, ici on n'a pas trop le choix. Ah, si, ça on a le choix. Donc, on a le choix entre être allez, des gentils ou des méchants. Donc, attendez. Ils sont forts en survie, mais il y a un petit groupe. Et là, ils sont pas très forts en survie, mais le groupe. Je pense que je vais prendre plutôt celui qui est fort en survie quand même. En plus, il est plus stylé que, que l'autre. Donc, on va partir sur la partie customize. Donc, au niveau des couleurs, on va laisser. On va l'appeler UnderXL, comme ça on a un chouette petit nom. Donc ici on a le choix de customiser sa planète. Franchement, ici je préfère augmenter un petit peu parce que quand on laisse en normal, ben franchement, laissez tomber. Il n'y a rien du tout. J'ai essayé... Juste avant, il y a juste rien du tout comme ressource, ce qui est assez chiant. Donc ici, je vais vous passer le chargement parce qu'il est assez long. Et re tout le monde, donc le chargement est terminé. Attendez, parce que je commence déjà avec une brèche. Voilà. Donc le tape ici, c'est pour réparer. Apparemment, si j'ai compris, c'est pour réparer justement notre. Comment expliquer notre je sais pas comment l'expliquer, notre combinaison spatiale. Donc attendez, parce que je vais prendre de quoi survivre un peu quand même. Donc comme vous pouvez le voir, l'interface est plutôt pas mal. Ici je me suis mis en mode FPS, sinon vous commencez en général comme ceci. Moi je préfère le mode FPS, c'est nettement plus beau. Au niveau bah, de l'interface, bah, vous pouvez le voir, c'est pas trop mal non plus. Vous avez une... Donc vous avez directement la table de craft avec. Donc ici, je vais essayer de trouver de quoi commencer avec un dôme. Et après on ira voir pour construire un peu. Donc comme vous pouvez voir, bah, la base complète se construit ici. Avec le laboratoire et tout ça. Au niveau des utilities, ben, on a une forge, des solar panels pour l'énergie, enfin, tous des trucs qui sont assez bien à construire. Excusez-moi. Donc, je vais sûrement commencer par trouver de quoi faire le dôme et faire au moins un solar panel, donc de l'or, des câbles et tout ça. Ça devrait pas être trop compliqué à faire. Et ensuite, bah, vous avez toutes des petites fournitures qu'on peut faire, des casiers, tout ça, pour nous se reposer. Donc, on va commencer à... Ah, attendez. Donc, on a le survival... Ah, bah voilà. Bah, voilà. C'est parfait, ça. Donc, on a déjà le dôme. Le dôme qu'on va placer... Attendez. C'est quoi ça? Ah, des armes. Ça, je suis pas contre. Franchement. Ah, on est obligé de le passer ici. Hop, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est directement. On va construire une petite structure. Donc, on avait dit le dôme. Ah, je l'imaginais quand même un peu. Un peu beaucoup plus grand.
Ici, je pense que c'est bon. Voilà. Donc, on a construit notre petit dôme, qui est pas trop mal, hein, franchement. No. Of course. Voilà, donc on a un dôme histoire de commencer un petit peu l'aventure. Ce qu'on peut aller faire, j'ai vu des minerais là-bas, c'est aller directement chercher 2-3 minerais. Dans cette zone-ci, ça a l'air d'être calme au niveau des aliens, parce que, oui, forcément, il y a pas mal d'aliens. On va tout prendre directement. Comme ça. Toute façon, on n'est pas trop lourd, donc ça, c'est pas trop un souci. Ce qu'on peut faire, c'est s'équiper directement. Attendez. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est une équipe pour équipe ceci. C'est franchement super beau. Bon, on va déjà avancer avec ça. Au cas où on croiserait un alien ou deux. On a un petit jackpack histoire de se déplacer un petit peu quand même. Bon, je vais sprinter. Le truc dans le sprint, c'est que comme vous pouvez voir, on calcule notre saturation. Donc notre saturation en oxygène, ben, c'est un peu. Allez. Allez. J'arrive pas à l'expliquer. C'est notre barre d'endurance. Ça va, je commence déjà avec un peu de fer. C'est pas trop mal d'avoir un peu de fer pour commencer la partie. Donc avec tout ce que j'ai ici, qu'est-ce que je peux faire? Il faut trouver de l'aluminium, du copper. Bah, la glace, je présume que ça se fabrique. J'en ai aucune idée. Bon, en attendant, on a quand même un dôme qui traîne par là. C'est déjà ça pour commencer. Je me demande s'il n'y a pas moyen d'avoir des coffres ou autre chose ici. Attendez. Fabricator. Ah, ce. Ah oui, mais attendez. Pour avoir un fabricator, il faut du style qui a un alliage. Ah oui, attendez. Histoire que je comprenne un peu ce qui se passe. Oh, il y a tellement de craft aussi. Ah, trouver un peu de titanium et on peut avoir une forge. Titanium et plutonium. Bon, les minerais de plutonium, j'en ai trouvé tout à l'heure. Franchement, c'est hyper reconnaissable. L'aluminium, ben, on en a juste ici dedans. Hop. Ben, on va déjà commencer par le commencement. Ce serait déjà la base. Et bien sûr, c'est du titane et pas de l'aluminium qu'il me fallait. Parce que je suis un boloss. Alors, attendez qu'on cherche. La musique du jeu est juste épique. Franchement, je l'adore. De l'aluminium. Franchement, le minerai de plutonium, quand je vous dis qu'il est hyper reconnaissable. C'est genre le truc que vous allez reconnaître à 3 km, ça je vous le garantis. Oula. J'ai un problème avec ma suite. Attendez, ça le fait pas. Problème avec la suite. Use. Bon, ça apparemment ce serait la map de l'endroit où je suis. On a de l'aluminium là, c'est pas ce qui nous intéresse. Il semble qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Oula. Il me semble que ces plantes bleues là, je peux pas passer dedans. Je suis pas sûr. Mais il me semble que c'est ça. Donc on va éviter de passer dans ces plantes bleues. Attendez. Hein. Save inside. Ah bah. On va quand même suivre les missions parce que je viens de voir qu'on a des missions là sur le dessus. Bon, on va se dépêcher de retourner jusque là-bas.
Parce que c'est quand même un peu lent le début. Mon objectif ici c'est quand même d'avoir la forge. Donc on a ce petit gars-là aussi qui nous aide. À chaque fois qu'il y a des ennemis ici dans le coin, et ben il va nous aider. On va même. Ah non, je peux pas lui dire de me follow. Donc follow c'est me suivre. Il me semble que là-bas, il y aurait bien du copper ou autre chose, à moins que ce soit de l'iron, mais je sais pas, je connais pas encore les minerais. Bon, on va rentrer ici dedans pour save. Voilà, mission complete. Voilà, search mineral pour construire. Donc on doit rechercher des minéraux. Mais c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va faire attention aussi à notre water. Donc apparemment ça c'est bon pour la water. On a le multi-tool, je sais pas trop à quoi il sert. Franchement, c'est la question que je me pose. À quoi sert le multi-tool? Bah si quelqu'un dans les commentaires sait me dire à quoi ça sert. Ah ici c'est l'ombre. J'avais peur, je me demandais ce que c'était. Ah ouais! Je me demande c'est quoi aussi le truc là-bas, tout bleu là. Bon, il y a beaucoup de questions qu'ici au début, ben, on sait pas trop y répondre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Iron. Là-bas. Que j'aille pas trop chercher. Iron. Iron. Ouais, l'iron, j'en ai tout plein, c'est ça le souci. Bon, on va se déplacer avec ça. Parce que si jamais je croise un alien, c'est pas trop cool, quoi. Je les ai déjà vus, les aliens, ils ont pas l'air d'être assez chouettes, c'est des grosses bestioles qui font 3 fois ma taille, donc est-ce que c'est gentil, est-ce que ça l'est pas, je sais pas. Et ici c'est masse aluminium, iron aussi, il faut quand même du copper. Bon, je pars un peu en exploration et dès que je trouve un peu de minerai, ou bien que je tombe sur un alien, ben on revient ensemble. Allez, à tout de suite! Et re tout le monde, donc j'ai trouvé un peu de minerai. Regardez là-bas les petites taches vertes, je sais pas si vous les voyez. Mais les petites taches vertes là-bas, ben, c'est du plutonium. Plutonium, il me semble, il m'en faut. Il m'en faut que 4, donc ça va. Mais comme vous pouvez le voir, ben, c'est assez loin. Donc ben, je vais encore ellipser un petit coup. Ah, par contre, ça je viens de le voir, c'est intéressant aussi. Se faire un petit repository, ben, c'est un coffre. Oula, j'en apprends aussi pas mal. On se retrouve après dès que j'ai été miné tout ça. Et re tout le monde, donc j'ai trouvé le titanium. J'ai construit une base ici parce que justement il y a eu une tempête de sable. J'ai pas pensé à vous enregistrer ça. Mais en gros, quand il y a une tempête de sable, bah c'est le gros bordel. Et bah, le sable il venait de par là, donc je me suis construit une base. Et j'ai trouvé ceci, des réserves en oxygène. C'est pour ça aussi que j'ai construit une base ici. Et je pense même que je vais carrément m'installer ici. Parce que bah, j'ai pas trop trouvé d'aliens. Franchement, on est bien. Et bah, c'est un petit coin assez tranquille, je vais dire. On a des réserves en oxygène. Et si je veux justement faire une base, il me faudra quand même trouver des réserves en oxygène. Donc ce que je vais faire, c'est carrément, mais vraiment me mettre ici. Donc hop. C'est notre nouveau spawn. Et comme je vous ai dit, j'ai trouvé les ressources pour faire la forge. Donc j'ai tout ce qu'il faut. On va aller la mettre dehors, la forge. Je suis pas encore habitué à avoir un clavier QWERTY. Hop. Là, comme ça, je pense que ce sera bon. Voilà. Donc, j'ai envie de voir comment fonctionne la forge. Ah, voilà. Donc, il faut trouver du magnésium, de l'aluminium et de l'iron. On peut construire une pelle, on peut construire un pistolet, un barrel, on peut faire des armes. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, pas mal. Bah, mon principal objectif est fait, franchement, c'était mon principal objectif. Ce que je vais encore faire vite fait, c'est faire un petit depository.
Je dois bien avoir de l'aluminium ici qui traîne dans le coin. De toute façon, c'est un peu le minerai le plus courant sur cette planète, j'ai l'impression. Et on va commencer à se laisser tout doucement. Ben, c'est déjà un bon petit épisode, je vais dire. Attendez, hein. Donc on a du titane, du copper. Qu'est-ce que c'est là-bas? Et c'est surtout blindé de minerai. Titane, titane, titane. J'arrivais pas à en trouver et maintenant il y en a tout plein. Super. Attendez. Moi, on a déjà un début pour commencer à survivre, je vais dire. Attendez, est-ce que ma base est répertoriée là? Ah, il faut faire des beacons. Ah, voilà de l'aluminium, c'est exactement ce qu'il me fallait. Voilà. J'ai mon aluminium. Et attendez, je vais regarder juste un truc, le beacon. Comment il se craft? C'est sûrement dans Utility Beacon. Il faut du verre, du steel et un plutonium. Ouais. Je pense qu'il y a moyen de trouver. Enfin, je pense, je suis pas sûr. Ça va m'être utile un peu plus tard. Par contre, il me faudra faire un fabricateur. Et ça. Sûrement ça en premier. Attendez, hein. De toute façon, ici je dois build un habitat, donc ça ce sera sûrement le sujet du prochain épisode. D'après ce que j'ai vu, il y aura moyen de voyager sur d'autres planètes. D'après ce que j'ai vu, c'est pas encore sûr. Je sais qu'on peut avoir des véhicules et tout ça, mais de toute façon, ici le jeu est encore en phase d'alpha, donc je sais pas trop dire ce qu'il y a exactement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est fabriquer ça. Oh là là, c'est quoi ce machin? Ça rentre jamais dans ma maison, ça. Enfin, dans mon habitacle. Bon, en attendant. Ah, je suis habitué. Hop. Voilà. De toute façon, je suis tout seul, donc je peux mettre ce que je veux dedans. On va mettre nos minerais. Clairement. Parce que les minerais, ça prend un point. Un poids monstre. Voilà, l'eau, ça, on va en garder deux sur nous. D'ailleurs, on a encore assez d'eau. Bandage, bah vu qu'on a un medikit, ça c'est bon. Et ça, ben bah, clairement, on garde, c'est ultra utile. Et on va se quitter bah, sur cette magnifique base qui commence à prendre forme. Et regardez ça. Le jeu est juste magnifique. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et ben salut à tous!